Je vais traverser. Ça a commencé. Moi, j'étais en train de terminer mon film, Jack et la mécanique du cœur. Ça faisait 6 ans que j'étais dessus. J'étais vraiment tête dans le guidon pour finir le film et dans l'idée qu'après, j'allais me reposer. Et en fait, en faisant le clip Jack et la mécanique du cœur juste avant, alors que ça faisait un moment déjà que je me trouvais un petit peu blanc et quand même très fatigué. Mais en même temps, c'était normal d'être fatigué vu tout ce que je faisais. Donc, entre se voiler un peu la face et sentir que ça allait pas, mais il y avait un équilibre qui faisait que je continuais dans l'adrénaline du moment. Puis on a fait ce clip et en fait, entre toutes les prises, j'arrivais plus à respirer. Dans le livre dit que j'avais l'impression de respirer dans une paille bouchée, c'était vraiment ça quoi. Personne ne s'en est rendu compte. J'ai tenu mes prises, mais le lendemain, je suis allé faire des prises de sang parce que je me suis dit, il y a un truc. Ils m'ont rappelé dans l'heure au laboratoire, ils m'ont dit, il faut vous faire transfuser d'urgence. Vous avez 4,6 d'hémoglobine, donc en gros, on doit avoir entre 13 et 17, la norme. Et à partir de 12, on est considéré anémié et systématiquement, en tout de 8, ils transfusent. Moi, j'étais à 4,6, donc j'étais en risque AVC, cardiaque, rouge, quoi. Et après, ils m'ont rappelé, encore une demi-heure après, pour me dire que j'avais pas de plaquettes non plus, donc il fallait plus que je touche d'objets coupants, que j'étais en risque hémorragique grave, qu'il fallait me transfuser pour ça aussi. Et puis après, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas non plus de globules blancs, donc j'avais plus de défense immunitaire. Donc là, ils m'ont dit, voilà, il faut explorer dans votre moelle osseuse pour voir ce qu'il y a. Il y a un risque de leucémie ou de choses comme ça. Et puis finalement, ça n'en était pas une, mais c'est un équivalent. J'étais dans un moment à la fois extrêmement joyeux, extrêmement épique, et qui s'est arrêté d'un instant à l'autre, parce que l'après-midi, j'avais déjà commandé mon taxi pour aller faire le montage du clip, et je suis parti à l'hôpital, quoi. Et j'en suis sorti 5 jours après, parce qu'on m'avait ultra transfusé, et il a fallu ensuite, à partir de ce moment-là, que je revienne tous les 3 jours me faire transfuser. C'est ce qu'on trouve la solution. En fait, il y a eu un moment où il a fallu que je rééquilibre, comme si en fait tous mes repères s'étaient écroulés. Et il n'y a même pas encore la question de la peur et de la projection, c'est juste comment je fais pour continuer d'avancer. C'est comme si, voilà, d'habitude, tu avances en courant, tu as des baskets, et que là, d'un coup, on te met une jambe de bois, quoi, et il faut que tu continues de courir. Donc en fait, il faut slalomer dans le peu d'espace qui te reste pour rester un être vivant normal. Et moi, en fait, l'espace qui me restait, bah, il était là-dedans. Il était beaucoup dans l'œuf. Donc ça a été notamment d'écrire. Écrire ce journal, écrire les chansons, parce que là-dedans, bah, il n'y avait pas d'histoire de plaquettes, de globules rouges et de greffes et de toute cette histoire de greffons qu'on ne trouvait pas et de machin, je pouvais imaginer. Je n'ai plus peur des volcans, je suis l'un des leurs depuis bien longtemps. Le premier jour où je suis allé en hôpital de jour, j'avais déjà commencé à écrire depuis que j'étais rentré de l'hôpital après la première hospitalisation. Et je me suis retrouvé dans une salle d'attente avec 5-6 personnes, la plupart plus vieilles que moi. Et tout le monde attendait ses globules rouges. Et je me suis dit, waouh, je suis dans un gang de vampires, quoi, ça y est, quoi. Et je suis rentré, j'ai appelé ça journal d'un vampire en pyjama, parce que j'avais besoin du sang des autres. Et pyjama, en fait, parce que c'était à la fois l'habit qu'on est obligé, là, c'est l'uniforme du malade. Et en même temps, il y a le côté enfantin et le côté décalage du pyjama aussi. Et en même temps, normalement, c'est aussi le costume du rêve. Tous les jours, j'avais un rendez-vous avec moi-même, avec ce livre. C'était mon bateau, quoi. Je ne suis plus un vampire. J'ai brûlé mon pyjama. Dionysos est né 2 fois. Sous mes os, c'est aussi comme ça. Nouvelle vie qui fleurit. C'est l'espoir planté sous mes os. Sur la fin de l'hôpital, quand ça commençait à aller mieux, il y a les moments où j'ai eu droit d'avoir mes instruments, où je commençais à écrire les chansons, j'ai écrit cette chanson qui s'appelle donc Vampire en pyjama, où je dis je vais traverser l'Islande sur un skateboard à moteur. Et je m'étais fait ce pari avec moi-même. Si je m'en sors vraiment, je le fais. L'été dernier, je me suis dit je vais le faire. Et je me suis dit je ne vais pas le faire pour écrire, je vais le faire juste pour boucler ma boucle personnelle comme un voyage initiatique. Et je suis arrivé là-bas, et le soir même, après avoir fait la première journée que je décris dans le livre, au milieu des poids lourds, dans les champs de lave et l'arrivée à Reykjavik, je ne suis pas arrivé à dormir tellement j'avais envie d'écrire déjà ce qui m'est arrivé en un jour. Et j'ai compris déjà le lendemain que je n'allais pas échapper au fait d'en écrire un livre. Ça a été une mue très importante parce que
finalement, je crois que le livre, le journal d'un vampire en pyjama, il est complet avec le carnet de bord. Mais c'est vraiment la boucle finale de ce livre. Et ce qui était génial et que je ne pensais pas qu'on allait pouvoir faire, c'est qu'en plus, on en a fait un objet super. C'est-à-dire qu'on a pu rajouter des photos, on a légendé, on a rajouté une petite carte. On a fait un super objet. J'aime ce côté collector, j'aime ce côté spécifique. Et donc pour moi, c'est une grande joie de faire tout ça, quoi. J'en ai le cœur net, il est plus gros que la tête. Le cœur... Voilà. Je n'avais pas répété. Elle a été faite comme ça, avec cette guitare-là, à l'hôpital.